Coucou mes gens, ça va? Ma famille à moi. Ma famille Facebook à moi. On dit quoi? What do you say? On fait les souris d'agneau, mais coupées en tranches là. Vous voyez un peu, non? Je n'ai pas pris le genre avec la cuisse. C'est le genre qui est coupé en tranches. Voilà. Je sale. Je poivre. Bonsoir, bonsoir tout le monde. How are you? Hey you, I love you. Bonjour la famille. Ça va? J'ai dormi un peu. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Si je vous dis que c'est à 6 heures que j'ai dormi, vous allez me croire. 6 heures que j'ai dormi. Après, il fallait courir. Maintenant, pour faire mes courses à moi. J'ai dormi, il était 6 heures, je me suis réveillé, il était 11h30, direct sous la douche. Je suis allé me doucher. Je suis passé. Je suis en train de chauffer les beignets au four. Vous savez, quand tu fais les beignets, quand tu fais les beignets et que tu n'as pas tout mangé, tu mets au congélateur, tu sors du congèle direct au four. Donc je m'avais posé là. Mon chéri Coco est là. Par Moussunga. Je vais encore retourner et je pose encore. Je vous remets ça au four. Voilà, quelques 5 minutes. Je mets ça pour mon chéri en attendant que je suis en train de faire à manger. C'est mon père, j'ai entendu là. Quittez sur la route. Tam, taran, tam. C'est mon chéri Coco. Moi, il nourrit ma part. On m'a appris que l'homme, c'est ici et là. Oui, parce que si tu ne nourris pas ici et là, ça va être grave. Ouais, non. Donc, je nourris partout. Voilà, j'ai mis un peu d'huile après avoir saisonné sel poivre. D'accord? Là, je parle comme ça parce que le pollen, vous savez un peu, non? Le pollen. Regardez une belle pièce comme ça, là. Il mange bien mon chéri. Ouais. C'est quand il est au village là-bas, comme il s'occupe de la maison.
t'occupes de la maison, donc des fois, tu manges comme ça, vite, 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 des petits trucs surgelés, rapides, vite fait, là. Et quand tu viens, il doit bien manger. Il doit bien faire... Attendez, je mets un message, un téléphone comme ça. Voilà, là, vous voyez bien. Ah oui, tata, tu as raison. L'homme, c'est... Oui, hé, hey, avec moi, il ne blague pas avec. Je ne blague pas avec ça. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, je le nourris. Et quand tu l'habitues comme ça, là, je vous dis le secret. C'est que quand il vient ici, s'il voit qu'il n'y a pas la nourriture, il commence à se fâcher. Et moi aussi, je fais exprès. Eh oui, une femme doit se laisser désirer. Comme ça. Et là, quand je lui choisis à manger comme ça, quand il va manger, il sera content. C'est trop facile. Tu arrives chaque temps, il faut qu'on vienne te servir. Non? Tu fais aussi comme s'il n'y avait pas à manger. Donc, quand je dormais, après, je me suis réveillée. C'est lui-même qui est venu exprès, il a commencé à faire les bruits, il a dit que réveille-toi, viens faire à manger. Même dans la cuisine. Eh oui, même dans la cuisine, il faut se laisser désirer. Hein. Ah ben oui. Hein. Tu veux venir? Qui veut venir intervenir? Les gens qui veulent intervenir pour aller, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez des questions aussi à me poser, n'hésitez pas. Hein. Là, moi, j'apprête déjà. J'apprête déjà tout ce que je veux mettre. Lise Gloria dit quoi? Oh oui, mais mon mari est comme ça. Je te dis que... Quand je suis revenu, je lui dis que bon, chérie, je vais nous faire à manger et tout. Après, fait, bah oui, parce que vu l'heure, donc, vu l'heure, tu avais ça là-bas quand tu es. Oh, laisse tomber. Oh, oui, madame. Un truc que tu fais là. Si il vient là, il va nous flatter mal. Voilà. Ah, c'est le beignet. On va goûter. Le beignet que j'avais fait, vous rappelez, il y a longtemps, là, j'avais fait le beignet à la crème fraîche, là. Vous vous rappelez, non? C'est ça, ici. Donc, je m'en vais d'abord lui donner ça pour le calmer et tout ça, là. Je vais mettre un peu de sucre à côté, là. Arrive dans les gens, on va poser comme ça là.
Nicolas, je l'ai baigné d'avant ça. Ça peut se faire où? Venez, venez commencer à apprendre, à calmer. Calmer. Je fais une belle chose de la vidéo. La fille a subi des discriminations à l'école. Oui. Et pour répondre à la chose, ils ont simplement exclu la fille. Elle se fait taper et tout par les élèves. L'enfant, oui, elle est malade. Pour répondre à la chose, ils ont Ils ont. J'ai vu ça. En fait. Moi-même, j'ai partagé ça sur mon mur. L'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bruit là? Il était sur le coup, je lui ai demandé de descendre. Ah. Qu'il se fasse voir, c'est une star. Il a sauté sur la malle là. C'est quoi ça? C'est la famille qui parle. Je suis enfant malin, genre. Je sais pas qui est. Attends. Si ça t'arrive, tu fais quoi? Moi? Hein? Oui. Ok, moi, je tape un scandale. C'est ce que la maman fait. Quoi? Je tape un scandale. Il y a mes condiments. Il y a des problèmes de réseau. Mmh. Elles sont là. Et quand tu regardes même la vidéo, on ils ont aucun hein. La montagne. Quand tu regardes même la vidéo, ils ont aucun argument en vrai de vrai. C'est avec le maire, non? À base. Moi, je suis la vidéo avec la. Qui est la directrice adjointe. Je ne sais pas quoi là. Elle est à l'entrée de l'école. Mmh. Oui, ça fait le tour. C'est avec le maire et avec toute l'administration. Si tu peux les baigner et que ça ne finit pas, mon congélateur. Vraiment, quand tu regardes, ils n'ont aucun argument. Et c'est vraiment ça en plus. Hein. Et ça arrive plus souvent quand je pense. Ah, maman est en guerre avec eux. Hein. C'est une maman, après ça. Oui, Aminata a baillé. Voilà. Il baille. Je suis dit d'amis. Mais en France. On peut dire l'eau là est souvent. C'est trop joli quand l'eau sur la petite avec une petite bouée et tout. Voilà, c'est fini de ça. C'est vraiment une dinguerie pour mes mains. Voilà, c'est vraiment une dinguerie. Comme ça. Attends. Attends, revenez. En plus, il joue super mal parce que quand tu joues un enfant, tu dois faire une. Tu dois faire une. Il y a un conseil de discipline qui doit avoir lieu avant de subir l'enfant. Et tu dois envoyer un courrier aux parents.
Dans la vidéo, elle dit, j'ai reçu votre torchon. En parlant du mail. Après, la blanche qui parle devant elle, elle dit, c'est comme ça que vous appelez ça. Elle dit, oui, c'est un torchon. Bien. Les pommes de terre sont prises. Je voulais faire ça avec les pommes de terre. Oh, je sais pas. Non, voilà, t'as ici. Ah non. C'est génial. C'est génial. C'est la purée. C'est la purée. C'est la purée. Pour accompagner. Oui. T'as des légumes? T'as quoi comme légumes? Non, je n'ai pas encore acheté. Ah. Sinon, t'aurais pu faire une purée de courgettes. Mais fais de la purée, ça passe bien avec. T'as mis le tissu des bamous. Alors là, c'est les bamous qui veulent. Je vais faire une sauce simple. Hein. C'est pas mes gens. Désolé. Hein. C'est pas que je vous oublie, mais. Voilà, je dis à mes condiments. Et c'est bon. Voilà, bien revenu là. Son jus est en train de sortir tout en mal. Merci, Njenge. Donc l'affaire de pollen, c'est une sale, comment on appelle ça, une sale, une sale maladie à la con, c'est même pas une maladie, c'est que c'est un truc bizarre que vraiment... Tu es là, tu
tu commences à tout moucher comme si c'était... Voilà, après d'avoir bien doré. Voilà, maintenant on va faire le jus. Hein. L'huile qui est restée là en bas, je vais quand même l'enlever encore. Ouais. Je vais enlever encore. Hein. L'huile qui est restée en bas là. Ok. Est-ce qu'il faut que j'enlève ou bien je vais quand même diminuer. Parce que je vais maintenant faire la sauce de ma bonne table là maintenant. On va libérer un peu. Et le sucre qui est resté de la viande en bas là, c'est ça qu'on va garder. Voilà, j'ai bien diminué un peu. Très bien, j'ai diminué et. Non, je vais toujours fermer ce nom. Oh, le goût de ça. Ouais. Voilà. Dès que les oignons sont translucides, je continue à ajouter. Mais on va quand même continuer l'assaisonnement. Je vais mettre le poivre. Je mets seulement le poivre. Je ne mets pas le sel tout de suite. Parce que le sel que j'ai eu à mettre dans la viande, ça se trouve, c'est beaucoup. D'accord? Donc, c'est quand je vais mélanger une fois le tout que je saurai si c'est beaucoup ou pas. Voilà, on va voir. Ça va être translucide là. Parce que le feu est fort. D'accord? C'est la même chose. Hein? C'est-à-dire quand vous faites les souris d'agneau, c'est pareil. C'est juste que la souris d'agneau, on a coupé ça en tranche. Et je ne voulais pas le bout là. Voilà, ça commence à être translucide, ça commence vraiment. Merci, Mathias. Ah non. Voilà, c'est. Donc, on va retourner comme ça. Mes condiments, ok, on va prendre une cuillère. Vous avez dit que c'est universel, ça sert à tout, hein, et l'odeur, voilà, je vais mettre l'ail. Et gingembre. Je rajoute, comme c'est l'agneau, non? Comme c'est l'agneau, la petite cuillère. Voilà. Gingembre. Voilà, j'ai ajouté. Maintenant, on met à peu près 2 cuillères à moutarde. 2 cuillères de moutarde, pas la cuillère à moutarde. 2 cuillères. Voilà, là, on a ses autres. Parce qu'on va faire cuire le tout et on va laisser réduire. Bon, désolé, je vais vous pousser un peu parce qu'il faut que je prenne mes épices. Mes épices, voilà, ma petite touche perso, voyez, non. Ma petite touche perso, là. Voilà, que je mets là.
Voilà, on mélange le tout. Oh mais gros, nous viens manger. Ma soeur, j'ai vu ce que tu me disais là, j'ai dit qu'elle était partagée. Ouais, tu sais que je ne suis pas trop connecté ces jours-ci. Je viens seulement, je fais un truc vite fait, après je disparais encore. Comment ça va ma soeur? J'ai vu comment tu as fait. Kiteo, kiteo, tam tam tam. Pardonnez, quittez sur ma route, oh, pam pam pam. Mais Jean, vous vous rappelez? Vous vous rappelez de mes oignons là, non? Si tu as le citron, tu mets. Mais vous vous rappelez mes oignons que j'ai fait hier là, non? Avec ce que j'ai mis dedans là, non? Avec comment j'ai composé là, non? Avec tout ce que j'ai eu à mettre là dedans, non? Comme là, on a fini le poisson. Je vais verser tout ça. Parce que c'est le jus là. Le jus là que vous connaissez, non? Le petit jus ici. Voyez, non? C'est le jus là, alors. C'est ça qui va faire l'affaire dans l'histoire-ci. Hmm? Ceux qui n'étaient pas là hier, je ne vous dis pas. Allez voir dans le direct d'hier. Hein? C'est trop facile que vous allez venir aujourd'hui. Les autres ont fini de voir. Eux, ils étaient là. Vous, vous venez venir profiter et tout ça là. Non. Voilà. C'est ça. La tomate, on va dire que ne tenez pas compte de la tomate. On s'en fiche. Parce que ça se fait sans tomate. Mmh. La sauce de ça, ça se fait sans tomate. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter pièce par pièce. Ou je vais tout renverser. Vous allez voir. C'est comme vous voulez voir. Je me mets ici à côté. Vous allez voir pièce par pièce. Que vous voyez aussi. C'est vrai, tout ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je viens déposer comme ça. On va dire que j'ai déjà fini. Voilà. Je viens déposer comme ça. Et le jus. Je vais quand même rincer l'assiette, mais avec beaucoup d'eau quand même. Si vous n'avez pas le jus là, hein, pour ceux qui n'étaient pas là hier, là je remplis pour faire cuire vraiment la viande, qu'elle soit bien tendre et moelleuse. Le but c'est qu'elle soit bien tendre et moelleuse. Il faut bien faire cuire et après on va laisser réduire. Réduire, ça veut dire qu'il n'y ait pas trop d'eau. C'est avec ça qu'on va accompagner. Mmh. Voilà. Voilà l'eau que j'ai eu à mettre. Vous voyez, non? On laisse maintenant que ça se mélange. Ça va se mélanger. Je n'assaisonne pas le sel tout de suite. Je laisse d'abord que le sel qui était sur la viande se décolle, que ça se décolle et on laisse réduire. Quand vous faites bouillir comme ça, vous faites bouillir comme ça et après vous enlevez, vous mettez au four pour ceux qui veulent mettre au four. Mais comme mon chéri veut déjà manger, il est hors de question que ça parte au four. Voilà, la sauce là, on verse comme ça dessus et on laisse porter à ébullition. Voilà. La couleur même, elle est déjà là. Ça se mange avec quoi? Alors, tout à l'heure, je cherchais les pommes de terre. Je pensais que j'avais les pommes de terre. Ma chérie, je n'ai pas les pommes de terre. Et soit avec des légumes. Les légumes non plus parce que je n'ai pas encore fait les courses. Je n'ai pas envie de faire les courses genre. Donc, la petite, elle a proposé la purée. La purée, ça ira très bien parce que Pam Nsunga aime aussi la purée. Donc on va faire une petite purée à côté, une petite sauce et puis la viande. D'accord? Voilà.
On mélange bien. Oui, la sauce, elle est déjà faite. Elle est déjà faite, la sauce. On va laisser juste que ça soit porté à ébullition parce que pour qu'elle soit plus lourde encore, pour qu'elle soit plus lourde, je peux rajouter un peu de farine. Mais je n'ai pas envie de rajouter la farine. Je veux vraiment que ce soit simple. Hein? C'est-à-dire quand tu as la sauce là, une fois que tu la fais bouillir, tu vois un peu, pour avoir une sauce onctueuse, voilà, c'est ça le mot. Pour avoir une sauce onctueuse, tu vas séparer, recouvrir quand même. On va goûter. Voilà, c'est parfait. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié. Vous connaissez, non? Vous connaissez ça, non? Je vais faire un petit bouquet. Le où mon laurier? Et j'ai plus fait de laurier. Ah, ça, je vais acheter. Hein. Ouais, mes feuilles de laurier. Ouais, ouais. Il n'y a plus de feuilles de laurier. Azulo! Il amène même menace sur la faible, 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 je n'ai pas trouvé le livre. Ça, ça me rappelle que je devrais l'acheter. Je lave la carotte. Voilà, la carotte, c'est vraiment pour donner le petit côté sucré là. Voilà. On va couper une carotte et je rajoute, j'ai pas de laurier, ben, je sais pas. Voilà, on laisse que ça boue. Fort, on laisse réduire le feu est fort, d'accord? On laisse réduire pendant ce temps. L'odeur de ça, 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 l'odeur de ça. Ouais.
Parce que ce boucher-là, c'est ça qui fatigue. C'est pas possible. Bon, maintenant, on va faire la purée. Ok? On range tout. On va faire la purée. Voilà. On va rajouter le lait. Avec, j'ai mis l'eau, à peu près ça. L'eau. Normalement, pour un litre, c'est un sachet et demi pour un litre. Le gruyère, on va mettre un peu de gruyère dedans pour donner un peu de goût, hein. Un peu de goût. Ça, un œuf, j'apprends déjà tout ce qu'il faut. Et à 100%. Zami, nous, voilà, donc j'ai mis, alors moi pour donner du goût à quoi ça, ah c'est le thym, pour donner du goût à ma purée, donc au lieu de mettre, Zoro la patrona, bonsoir ma chérie. Souvent mon assaisonnement, c'est tu peux mettre le cube crevette, hein, tu vois, je mets du cube crevette et tout pour assaisonner, mais je mets mon aromate, c'est encore mieux. Voilà. Je mets un peu, ça va donner un peu de goût, sera pas trop exactement. Donc j'ai mon œuf, normalement il y a du beurre. Hein. Voilà, il y a encore un peu de beurre. On va couper la moitié. On va laisser fondre. Très bien. Donc, on laisse fondre. Là, j'ai déjà ma purée. La partie qui est ouverte. Et je vais ouvrir l'autre quand même. Je ne vais pas la faire.
Normalement, il fallait que je fasse la purée vers la fin, non? Hein? Ouais, c'est bon quand c'est chaud. Là, 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 comme ça, ça risque refroidir. Hein? La purée est bonne quand c'est chaud. Attendez, je rince ça avec. Je n'aime pas les trucs qui m'énervent. Ça, je vais prendre une assiette parce que je prends souvent une assiette comme ça. Voilà, je pose comme ça. Le couteau, si j'ai encore besoin, un petit couteau, je n'en ai plus besoin. Ça, je vais mettre ça ici. Donc on va baisser carrément le feu parce qu'il faut que ça réduise complètement la sauce là. Ça doit descendre, mais vraiment bien descendre quoi. Ouais, non. De ça, ça bouge, faut que ça bouge bien fort. Voilà. Ma cocotte. Voilà. Allez un peu. Donc là, on va dire que ça s'est mélangé. Le sel là, le sel que j'ai eu à mettre dans la viande. On va dire que ça a eu assez décollé et s'est mélangé avec toute la sauce. Donc, je vais goûter. Je vais goûter. Bien. Ah oui. Mais je rajoute quand même encore un peu le cube crevette. Le sel, c'est parfait. Le cube crevette, vraiment, c'est pour donner du goût. Oui. Accompagner l'assaisonnement. C'est pour accompagner l'assaisonnement. J'ai coupé mes ongles. J'ai tout coupé. Ouais. Donc j'ai du mal à sortir le cube crevette. Ah ça suffit. L'eau là doit réduire. Vraiment réduit. Voilà. Donc ce petit côté un peu sucré, pas sucré, mais un goût, je sais pas comment vous expliquer ça. Les carottes jouent vraiment leur rôle. C'est parfait. Chérie va bien manger.
Voilà, comme ça je peux vous lire en attendant que ça cuise. Je peux vous lire, vous entendez la fanfare qui fait là-bas, non? C'est un peu le feu du lait. Voilà, je me sers du couteau pour avoir le long gras. Santé. C'est l'eau. Pause publicitaire. Quand je me suis réveillée là. Pour effacer un peu les cernes. Effacer un peu les cernes. C'est de l'or. D'accord? C'est ce que j'utilise souvent. Alors, je peux causer entre amis. Comme je suis là avec vous, on cause ensemble et tout ça. Vous voyez comment c'est un peu gonflé ici, là, parce que je dors pas assez. Vous voyez? Je dors pas assez, donc, tac, je me masse. Je me masse là. Le contour des yeux. Je me masse le contour des yeux, ça fait du bien. C'est de l'or. Hein. Oui. Le contour des yeux. Voilà. Et ça me fait du bien. Et je vous lis en même temps. Ma terre est bien arrivée. Oui, la matin est bien arrivée, Mbombo. Et Jeanne. Angélique Laure. Bonsoir. Tu trouves où les cubes crevettes? Ah bon, tu peux les trouver dans les commerces exotiques. Tu vois? Dans les commerces exotiques, tu trouves ça là. Voilà. Je me masse comme ça, tranquille. Cube crevette. À Auchan, cube crevette à Auchan. J'ai jamais vu. Hein. Les commerces exotiques, c'est plus sûr. Vous savez, les Chinois, les Pakistanais, les Africains et tout ça là. C'est ça que j'appelle commerce exotique. Après maintenant, chez Auchan et tout ça, j'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu. C'est les simples cubes or là. C'est ça qu'il y a là-bas. Hier, quand on s'est séparés, je vous disais que je m'en vais à la réunion de famille. Là, même, ils sont encore en réunion de famille, mais j'ai dit que je n'ai pas plus. Parce que l'essentiel est là. Je vais faire ma vidéo et tout ça. L'essentiel est là. Et tout. Donc, ça va à quelle heure j'ai dormi. Je disais que non, 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 je dois partir et tout ça. Hey, la famille est bien. Hey, la famille a le goût, est mal, mauvais. Et j'adore ma famille. Hey, j'adore ma famille jusqu'à... C'est-à-dire que... On se gâte et puis après on se remet. Et vous savez que dans une famille, il faut apprendre ça à vos enfants. Entre nous les frères et sœurs, on a nos enfants. Franchement, hein, je vous dis ça, c'est la meilleure éducation. Tu fais naître un enfant avec le c'est-à-dire tu éduques, pas fait naître. Tu éduques un enfant en lui apprenant la rancœur. Non seulement c'est un enfant qui sera effacé, il ne va jamais pardonner, il aura même du mal à être dans le monde de la société. C'est ça. Oui, parce que la vie de famille, c'est la vie en société. C'est on se gâte, après on se pardonne. On continue, chacun continue sa route. Quand on se revoit, c'est la chaleur, le goût de ça. Il faut apprendre ça à vos enfants. Que nous, comme nous sommes la frère et sœur, même si nous on quitte souvent, on vient en parler. Oh, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais il faudra bien appuyer là-dessus que ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Et pour lui montrer le bon exemple, le mieux serait, tu appelles même ton frère avec qui tu as eu les problèmes, vous vous asseyez encore là, vous mangez jusqu'à ce que l'enfant se demande que, mais c'est quoi ça? En fait, c'est ça l'amour, c'est ça la famille. Les histoires qui sont là que, oh, ma soeur, mon frère, tu insultes et tout, tout, tout. Et l'enfant vient acheter le problème. C'est un enfant déjà qui aura des problèmes psychologiques plus tard. Et toi, pour vous arranger avec ton frère ou ta soeur,
tu seras obligé de faire des migmas comme ça là, soit de le voir en cachette, parce que tu as peur maintenant que ton neveu ou ta nièce ou ton propre enfant te dit que je ne veux plus voir tata. C'est pas bon ça. Ça, ce n'est pas bon du tout. Demain, j'ai quelqu'un qui cherche un traiteur pour un mariage en juillet, si tu es disponible. Quelle date? Quelle date en juillet? Il n'y a pas de souci, appelle quand même. Je vous assure, vous ne mettez pas à l'eau les cœurs. Vous ne mettez pas à l'eau les étoiles. C'est-à-dire que je suis une figurante à Facebook. Les autres pages sont là, ça se bouscule, ça se motive. C'est là, les gens viennent, ils commencent à donner. Mais pour vous là, le 8 juillet, c'est mort. C'est mort le 8 juillet. J'ai un grand mariage le 8 juillet. Tu comprends, non? Le 8 juillet, la date là, faut chercher quelqu'un d'autre. C'est un mariage même qu'on a conseillé depuis l'année dernière, le 8 juillet là. Depuis l'année dernière. Et ça va se passer même où là? Je sais même plus où. Je sais plus où ça va se passer, mais en tout cas, je vais regarder dans ma fiche là. Le 8 juillet là, c'est une date que je dis que depuis l'année dernière, depuis 2 ans, là, c'est là. Un gros mariage, même en plus. Hein. C'est un gros mariage. Pas les pecs-pecs. C'est-à-dire, les gens même qui m'ont sollicité pour ce mariage, ils m'ont respecté. Ils ont respecté mon travail. Là, quand moi aussi, je m'en vais travailler, je dis que non, il faut mettre le paquet. Comme j'avais fait chez Lady Ponce. Il faut mettre le paquet. Il faut mettre ce que tu sais faire. Tu poses ça là. Eh, Seigneur, de toute façon, elle ne trouve pas là. C'est pour combien de personnes? Non, c'est même mort. Quand c'est des petites personnes, oui, je peux souvent mobiliser mon équipe. Et puis après, je sais comment je fais. Tu vois un peu. Mais quand c'est beaucoup de gens, j'ai un mariage, c'est au moins 250 personnes, hein, tu vois. Donc, je vais mobiliser toute mon équipe parce que c'est un enjeu considérable. Je dois mettre tout en place. J'assure l'apéro, j'assure le vin et je vais assurer aussi, on va dire, pour accompagner le gâteau et tout ça. Tu vois, ça, c'est le service complet total. 80 personnes. Bon, il faut quand même m'appeler. Je vais voir comment je peux faire. Tu vois, non, il faut quand même m'appeler. Mais la date là même, moi-même, sincèrement, je préfère souvent dire la vérité. Je ne pourrais pas être là. Tu es son témoin. Waouh. Il faut m'appeler. Appelle-moi, on va voir comment il faut faire. Si ce n'est pas des choses compliquées, si ça reste dans le classique, il n'y a pas de souci. Moi, quand j'ai fait mes condiments comme ça, là, parfois, j'ai fini même de faire encore d'autres condiments à côté où je finis d'assaisonner tout. La personne a juste à mettre seulement et mariner, c'est tout. Mais moi-même, non, je ne pourrais pas être là. Cette année, si j'assure mes dates, j'assure vraiment mes dates, mes gens. J'ai trop galéré. Hein. J'ai eu du mal à avoir des contrats. Hein. J'ai quelques contrats là, mais je dois montrer vraiment ce que je sais faire. Hein. Ah oui, ça, c'est pas la blague. C'est pas la blague quand même. Donc, c'est des gens vraiment qui ont mis le paquet. Ah oui, ils m'ont respecté. Vous dites qu'ils ont mis le paquet. C'est qu'ils ont mis le paquet. Ouais. Ils ont mis le paquet. Et c'est en province. Et ils m'ont pris une chambre et une cuisine où je vais travailler sur place. Ouais, j'ai tout. J'aime quand je travaille comme ça, avec une cuisine. Et moi, je vais remettre la cuisine aussi en état. Parce qu'il y a des gens qui sont là, soi-disant traiteurs. Voilà. Les gens vont prendre des dispositions. Tu sais très bien qu'il y a des appareils que tu ne peux pas utiliser, que tu ne sais même pas utiliser. Mais tu vas faire que ça va se gâter. Et le mariage qui était censé être un beau mariage, qui finit en beauté, ça devient amer. Parce que les gens de la salle commencent déjà à se plaindre quand ils viennent constater qu'il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Oui, appelle-moi demain, ma chérie. Appelle-moi le matin. Tu vois, non. Parce qu'après, mais quand j'ai une prestation comme samedi, là, j'ai une prestation samedi et dimanche. Donc, vraiment, j'ai un timing que moi-même, je me fais à respecter. Demain, le matin, quand je me lève, je sais déjà ce que je vais aller faire. Donc, avant de sortir du lit, c'est mieux que tu m'appelles.
Tu peux m'appeler vers 8 ou 9 heures. Là, on a le temps de causer. Parce qu'à 10 heures, si je suis sorti là, ma tête réfléchit déjà qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça. Même si j'ai fait la liste. Des fois, tu fais la liste, tu oublies certaines choses. Mais quand tu arrives au magasin là, tu dois prendre l'essentiel. C'est pour ça. Donc, appelle-moi demain même vers 9 heures. C'est comme tu peux m'appeler demain, ça tombe aussi que je suis déjà parti. Hein. Tu vois. Là, je devais faire le Misunga aujourd'hui. Mais j'ai dit que je prends le temps pour mon chéri. C'est comme demain aussi, je lui ai dit que je ne sors pas. Je fais ça l'après-midi. Et le matin, je vais m'asseoir pour faire le Misunga. Ouais, non. J'essaie de voir comment je vais m'organiser. Et je suis allé prendre les tripes, maman. La beauté des tripes de ça. La beauté des tripes de ça, le goût de ça. Tu vois la fraîcheur du truc et tout. La fraîcheur. Ah. C'est-à-dire que, aïe, quand tu travailles un produit frais, toi-même, tu as le goût. Tata Doudou, on achète l'assaisonnement, aïe, gingembre, ou. Tu vas aussi dans les magasins exotiques, là. Nathalie et Belin. C'est dans les magasins exotiques. Tu vois un peu, non? C'est des choses que je vais faire. Parce que c'est pratique. Maman, venez s'asseoir là, faire like, prac, prac, prac. Venez s'asseoir là, découper le gingembre, prac, prac, prac. Après, tu écrases. C'est juste, non. C'est ce que je vais faire. Je vais sortir le gingembre à ma marque de gingembre. Je vais sortir ma marque de ail. Je prends seulement comme ça, c'est pratique. Il y a, le lait mousse déjà, c'est pas bon quand ça mousse quand même. C'est quoi si tu sois ce bordel? C'est quoi ce bordel là? C'est pas possible ça. Bon, je fais un tour quand même. On va regarder. Voilà, ça réduit déjà. Vous voyez un peu. Ça commence à réduire un peu. C'est mon lait là. Je vais choper. Quand ça réduit comme ça, parfait. Et je vais baisser le feu. À ce moment-là, je vais baisser carrément le feu. Normalement, on fait souvent, c'est parce que je n'ai pas le temps de vous montrer les astuces. Pour avoir une belle onctuosité de la sauce, ok, j'enlève ma viande, je mets de côté, je prends mon petit mixeur électrique là. Je finis d'écraser tout ça là et tout, et je me sers donc de cette sauce là. Quand je dresse, je prends mon truc et tout, je verse ma sauce et tout. Tu prends quelques légumes, tu alignes là comme ça là. Ah. Yes. Voilà, c'est bon. Manu. Du coup, on charge et baisser le feu. Bon, maintenant, vous voulez voir, ça vient comme ça, hein, le cube crevette. Est-ce que vous voyez, là? Je vous mets ici. Là. Ici, vous voyez. Voilà, c'est ça. Je vais mettre un peu de poivre aussi. Oublié d'ouvrir et qui
ce soit trop lourd non plus. Il faut pas que ce soit trop liquide. Il faut vraiment trouver le juste milieu, quoi. Il y en a qui utilisent le fouet. C'est le feu, continuer à battre. Purée, c'est à l'œil. Hein. Quand tu fais encore la purée de maison, c'est encore meilleur. Ou s'il a cassé. Oh. Quand on le fait casser comme ça, tu peux pas savoir si c'est bon ou si c'est pourri ou combien de temps ça s'est cassé. Hein. Et ça va sauter sur vous. Hein. Attention. Hein. Le fait déjà casser. Tout de suite que ça ne cuise pas. Rapidement, pour pas que ça cuise. Alors, que tout ça soit mélangé, on ne doit pas cuire. Et à la fin, je mets mon gruyère, ce que le fromage, tout ça. Très bien. Si tu vois que c'est un peu trop lourd, tu rajoutes vraiment quelques gouttes d'eau. Parce que normalement, vous délayez le lait. Vous délayez le lait, que ce ne soit pas vraiment trop trop le lait. Je rajoute souvent un peu d'eau pour couper. Voilà. Et je refais. Voilà. Et on continue à touiller, 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 pour que tout ça soit mélangé. Parfait. Une texture, je vous montre. Ok. Téléphone à couille, merde. Maman, le téléphone est tombé. Pardon, riez, le téléphone est tombé. Dans la prise. Maintenant, ça va, vous êtes encore là. Mettez les câbles, vous me voyez encore. Papa Samba téléphone en couillère. Et ça passe maintenant vite.
Adjoué, nous pas pour direct, dit téléphone à boire, foire. Mon foyer. Ça va? C'est bon. Vous me voyez là. Hé, maman. Le téléphone est tombé dans le... Je vais poser ça ici là. Vous me voyez. Ça m'a brûlé comme je vais enlever vite pour que ça n'entre pas dans les trous. Adieu, il n'est pas fort le téléphone. Hein? Tu prépares, tu veux monter. Voilà, accident. De là, totalement les cœurs. L'image est déjà bizarre.
commencez par mon chéri d'abord. Vous êtes là? Vous êtes là? Mettez les cœurs alors. Et le téléphone est tombé dans la purée. Ah, tu vois, quand je vois les cœurs, ça me rassure. Je voudrais juste rendre hommage à Tina Turner qui vient de nous quitter. Ah! Ouais! Oh! Ouais, le look des cheveux que j'ai souvent là. C'est de chez elle que j'ai pris ça. Quelques petits trucs verts là, ouais. Le petit cœur de mon chéri. On est là, je le flatte aussi un peu. C'est bon, mon chéri, j'arrive. On n'a pas fait de jaloux. Va t'asseoir. Me mets à côté de toi. Oui, mais va t'asseoir, j'arrive, Nicolas. Arrête de me stresser. Va t'asseoir, là où tu vas t'asseoir, c'est moi qui vais s'adapter là où tu seras. Ok?
C'est Nicolas. Nicolas, lui, n'aime pas la décoration, donc ça ne sert à rien. On sert à rien tout ça, tout ce que je vais faire. Voilà, on va aller faire un petit cœur comme ça. Voilà. Forme du cœur et tout ça là. Comme un cake. Maman. Chérie, je te ramène la moutarde. Ça va aller? Maman? Oui. Tu vas encore aller? Non, je ne fais pas. Faut manger. Non, 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 non. Oui, attends. Je t'apporte pour toi. Parfait. Tiens, chien. Oh, il y a un petit cœur, merci. Il y a un petit cœur, merci. Bon, chemin. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin, sincèrement, de tous ces machins-là et tout. Moi, j'aime la purée. On va faire la sauce. Voilà. Maman. Écoute. I love you. Moi aussi. I love you. Maman. Oui. Le cœur. Oui. Mais moi aussi, j'ai mis tu le cœur. Tu m'as mis un cœur. Oui. C'est bon? J'arrive. Ah. Oui, vas-y, prends, tu vois pas. Aïe. Faut que tu changes l'angle de la vidéo. Tiens, tu vois, regarde. Maman, écoute. J'ai appris 4 fois ça. C'est bien, merci. Vous avez pensé à moi, c'est bien. Oui, c'est pour toi. Je sais que tu aimes. Donc, je prends ce que tu aimes. Merci.
Réveille-toi. Tiens. Tiens. Ferme là-bas. Vas-y, prends. Mon piment, non. Ceux qui connaissent mon piment, là. Déjà, je vous ai montré là. Tout est bon, tout est fermé. Je vais couper la viande devant vous. Voilà, pour goûter. Et après, on va se retrouver en famille. Ok? Ce soir, je ne mange pas avec vous. Je vais manger avec mon chéri. Parce qu'on doit faire nos programmes pour le week-end et tout ça. Je mange avec le chéri et les enfants. Parce que sinon, on ne pourra pas discuter. Dès que je finis là, je ne voudrais pas m'allonger. Toujours le piment. Déjà, je vous laisse, d'accord? On se dit à tout à l'heure. À demain plus tôt.